Bonjour, ici Romain Desrosiers, bienvenue sur ma chaîne Entraîneur de Bridge. Dans la main 103 d'aujourd'hui, qui est toujours en défense, nous verrons comment on doit agir au West pour faire chuter le contrat. Ici, dans un contrat de 4 piques, les enchères ont été les suivantes. Est a ouvert 2 cœurs, montrant une main faible avec 6 à 10 points. Mais 6 cartes de cœur. Sud a gagé 2 piques, montre 35 cartes de pique et 13 points plus. Nord a gagé 3 piques et Sud a gagé 4 piques, établissant le contrat. Ouest entame du 7 de cœur. Le 4 est joué en or. Le 10 de cœur en est, le 5 de cœur en sud. S revient de l'as de cœur. West joue le 3, montrant qu'il n'a que 2 cartes de cœur. Est revient du roi de cœur. Et sud, compte tenu de la main, joue la dame de pique. Pour éviter que le valet couvre son 10, son 9, son 8 ou son 7. West joue l'as de pique. Et revient du carreau en espérant une coupe chez sa partenaire, ce qui n'est pas le cas. Sud capture de l'as de carreau, joue le roi de pique. Capturant le valet de pique de West, suivi du 10 de pique. Enlevant les atouts, et Sud réussit son contrat. Vous voyez donc, pour l'instant, que le contrat est faisable. Mais le contrat n'est faisable que parce que West a joué de la mauvaise façon. Mais revenons au moment où Sud joue la dame de pique. Nous voyons ici que West a as et valet. Il sait que Sud a encore en main le roi de pique. Qui joue là? S'il joue l'as, effectivement, le roi de pique permettra d'enlever le valet. Mais que se passe-t-il? Si, au lieu de surcouper la dame de pique, il ne fait que discarder un trèfle. Vous voyez maintenant que le roi et le 10 de pique peuvent être capturés tous deux par l'as et le valet de pique. Si maintenant, Sud continue en espérant peut-être que le valet de pique soit en est. Il joue le 10 de trèfle suivi du 7, capturé du valet. Et il joue le petit pique. Il sait que est n'a pas l'as de pique, parce qu'il n'aurait pas ouvert les enchères avec un as de pique, l'as de le roi et le valet de cœur. Il sait donc que West a l'as de pique quand même dans la main. Il essaye le 10 de pique, joue. Mais West avait fait le bon jeu. Il capture donc le 10 du valet et prendra son as de pique. Par la suite, faisant chuter le contrat. Donc, ce West ont réussi à faire 4 levées. Vous voyez ainsi que West devait jouer avec précaution et prévoir le jeu compte tenu des cartes qui étaient dans les mains de Sud. Gardez cette position en tête dans les prochaines mains que vous jouerez et vous serez en mesure de faire des levées là où les adversaires n'auront pas réussi. Je vous laisse maintenant cliquer sur la vidéo en haut à gauche de votre écran. Je vous suggère de vous abonner et à la prochaine.